Famille et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Trahis donc ma querelle. Bravo! Elle cide, en plus, l'action se passe chez vous. Oui, tout à fait. Ça se passe chez nous. Alors, on continue. Att vara eller icke vara? Ça va être plus dur. Det är frågan. Mon ädlare att lida och fördraga ett bittert ödes stygn och pilar eller att ta till vapen mot ett hav av kval att göra slut på dem. C'est ça? La première phrase, la première phrase être ou ne pas être. Elle dit att vara. Voilà. Non, elle va le dire en suédois. Att vara eller icke vara. Det är frågan. Être ou ne pas être. Voilà. Deux mots effectivement. Oui, oui. Oh, bravo. Très bien, Caroline. Mais c'est ça. Alors. Nous passons à la Belgique. Il va, la Belgique, pense qu'il il parle français. Oui, mais flamand, là, il va flamand, le faire en flamand. Non, en bruxellois. En bruxellois. Bon, alors... monsieur, si j'en fais un, tel nez. Ça, c'est parfait. Alors, je ne sais pas. J'ai pas encore fait mon choix, continue. Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Vous imaginez si nous, on s'était permis de prendre cet accent, ce qu'on se serait pris dans la figure. C'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Lui, il a le droit. Il est belge. Il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort? Alors, il nous reste... Excusez-moi, parce que Stéphane, j'ai deux panneaux et oui, il reste plus qu'une ben voilà. Donc, il va falloir trouver. D'accord. Alors, moi, pour vous faciliter un petit peu la tâche, je vais mettre un peu de corps. Dreste credete! Dreste credete! Ne oubliez-te! Справедливость! Справедливый Божий! Elle cherche sa cassette. Ma cassette.